En direct des écuries avec Bonne Chance et Lolita Riott, sa groom, donc la groom de Yannicka Sprunger. Bonjour Lolita. On savait quoi de s'occuper d'une jument olympique? C'est beaucoup de pression, mais c'est quand même très agréable au quotidien. C'est une super jument et j'ai une super cavalière, donc c'est vraiment cool. Comment s'est passée la préparation pour Rio? La préparation pour Rio s'est bien passée, ça dure depuis plus d'un an. Ça a été tout le choix des concours, tout ça depuis un an. Et puis la jument était en forme, donc il n'y avait rien de spécifique à faire avec elle. Si tu peux nous dire deux mots sur cette jument, elle est plutôt câline, plutôt... C'est une jument qui n'est pas la plus facile à s'occuper. J'ai connu plus facile, c'est vraiment une jument alsane. Elle a beaucoup de caractère, mais c'est ce qui fait aussi sa qualité. Un fort caractère, mais c'est ce qui fait sa qualité sur les barres, c'est que elle fight, elle va sortir son cœur pour toi, elle va se battre pour toi. Et puis c'est aussi, elle est pas trop facile à s'occuper au box parce qu'elle est vraiment très sensible, par exemple pour la brosse, tout ça. Mais c'est aussi ce qui fait sa qualité sur ses barres, parce que elle va toucher une barre, elle est tellement sensible qu'elle va pas le faire deux fois, quoi. Ou par exemple Yannicka qui la monte avec la jambe, elle met pas des ponts parce que tout de suite la jument part tellement elle est sensible, quoi. Par contre pour moi au quotidien c'est pas forcément facile à gérer. D'accord. Et du coup c'est sa rentrée après les Jeux Olympiques ici au concours de Lausanne. Comment trouves-tu ce concours, toi, en tant que groom? Le cadre est quand même super agréable. Le lac, c'est magnifique. La détente, c'est incroyable. C'est une piste en sable, donc c'est pas mal pour préparer Barcelone. Et voilà, il fait chaud, on a du beau temps, donc c'est cool. Super, merci beaucoup et bon concours. À bientôt.